Mais on a beaucoup de gens. On laisse. Donc on peut mettre l'autre aussi ici. On laisse ici une petite maison. Il y a qui demande encore le travail. Il y a trois achats. Le temps passe. Décidez-vous rapidement. Parce que là, nous, on peut continuer dans la semaine avec le cacao. Et donc, la journée avec le cacao. Donc, ça, c'est un champ qui est déjà cultivé. Vous continuez à le cultiver, vous savez. Oui, on a la même. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas un nouveau tiers ici et laissez ceci reposer? C'est bien votre terre. C'est on a la même chose. On laisse également le cacao. Très bien, je vais vous demander d'expliquer ça. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas pris assez. La famille ici, vous avez mis beaucoup d'efforts dans la cacaoyère. Il y a des jachères qui sont mises en culture, certaines qui appartiennent déjà aux familles, d'autres qui n'appartenaient à personne, et donc elles sont mises en valeur par quelqu'un d'autre. La plupart des champs qui étaient dans la ronde les années précédentes, on les a laissés reposer, mais pas tous. Il y a quelques exceptions. Ici, là, là et là, ça a été cultivé pendant 6 ans, et vous continuez pendant 6 ans à les cultiver. Sachant que les rendements ne seront pas bons, d'accord. Les cacaoyères, on a investi avec des liquidités quand on en a et avec de la main d'œuvre ici, là. Alors ici, il manque un peu de main d'œuvre et il manque de l'investissement. Ici, il manque de la main d'œuvre et de l'investissement. Les cacaoyères ne vont pas être aussi productives qu'elles le pourraient. Ici, il y a bien un effort de main d'œuvre, mais il n'y a pas assez de produits sanitaires, il n'y a pas assez de fertilisants. Les rendements. Alors que vous avez l'argent. Alors, je voudrais que, par exemple, la famille O, m'explique pourquoi elle met en culture ces champs-là. Voilà, la famille O met en culture ces champs parce que nous avons une grande d'abord famille. Dans ces champs, il y a le manioc. Chez nous, on consomme le manioc à tout moment. Donc avec cette grande famille, on ne peut pas abandonner ces champs avec notre manioc qui est dans les champs. Et il y a même le plantain qui est là. Donc on ne peut pas abandonner. Donc même si ça ne va pas beaucoup produire, vous ne pouvez pas l'abandonner. Il faut continuer parce qu'il y aura du plantain, il y aura du manioc. Ça va produire quelque chose. D'accord, très bien. La famille I, s'il vous plaît.
Pourquoi est-ce que vous continuez à cultiver ce champ-là? Vous avez compris depuis le départ que la famille est à moi de terre. Et nous disons, ce champ, malgré que nous allons encore le travailler 6 ans, nous avons investi plus dans le cacao. D'accord. Les revenus du cacao, on va même engraisser, on va mettre même des pesticides et des engrais ici pour qu'on essaie de relever le niveau de ce champ. D'accord. Donc vous espérez récupérer avec le cacao de quoi vous permettre de... D'accord, très bien. Acheter des terres. Est-ce que vous avez discuté avec les voisins au sujet de la terre? Pour le sujet de la terre, c'est la raison pour laquelle nous avons essayé de négocier déjà assez le point de terrain avec les autres pour créer ce dossier. Ça a été négocié? Ah oui. Ça a été bien négocié. Et donc, parce que moi je n'ai pas entendu, qu'est-ce qui a été dit dans cette discussion? Par rapport à cette négociation ici, il a été dit quand même qu'au moment de récolte, on verra comment prendre une partie de nourriture pour donner à cette famille. Et à quelle autre famille vous devez donner? Non, juste à la famille qui nous a, les voisins avec qui nous avons plus que... C'est qui les voisins? C'est qui les voisins? La famille A qui a le plus de terrain là. Ah, donc vous devez donner quelque chose. Famille vous pouvez mon terrain sans la vie. Donc cette négociation, elle n'a pas eu lieu? Non, elle n'a pas eu lieu. Et ça ne s'est pas souvent. Sinon, mais j'aurais pris de l'argent pour mettre, par exemple, là-bas. Et c'est là, ce n'est pas la famille. Pour avoir mes terres. Ça, c'est un terrain domaine public. C'est un domaine public ici. C'est un domaine public ici. Oui, ça n'a pas à faire avec la famille A. C'est un domaine public ici. Ça, c'est un domaine public. Ouais, parce que ici, si mais malheureusement que les voisins, mais c'est un domaine public. Ici, c'est public. Hein, c'est public. On a pris ici. Mais vous l'avez demandé à qui? On a demandé à personne. Ici, c'est public. Mais là, c'est public. On n'a pas besoin de demander. Ouais, c'est public. Oui, c'est public. On s'est installé. Non, ça, c'est la NAP. C'est un domaine national. Est-ce qu'il y a un terrain qui peut être... Jamais. On a arraché chez... Mais demandez aux autorités. Excusez-moi, voilà. Là, vous êtes en train de faire des palabres, c'est important. Voilà. Les palabres ont besoin de temps. Alors, je vous donne 3 minutes pour régler ce problème. Ouais. Merci. C'est moi. Moi, je pense quand même que... Quel voisin? C'est un voisin. Il voulait empiéter ce terrain parce qu'il pensait que comme il a coûté, ça serait... Maintenant, on s'est rendu compte que c'est un terrain public. Que penses-tu pour que tu commences encore me faire des problèmes ici? Il y a quand même une limite. Il faut saisir l'autorité locale qui est garant de terres qui n'appartiennent à personne. Okay. Saisir l'autorité pour trancher le problème. Okay. Monsieur le chef, veuillez venir sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe, pour que vous essayez de voir ce qui se passe sur le terrain. Oui. Nous voyons que depuis que nous existons, ce terrain a été réservé pour tout le monde. Et maintenant, nos voisins... Le domaine national. Vous voyez comment, maintenant, ils posent un problème pour dire qu'on ne peut pas travailler ici. Est-ce que vous trouvez que nous avons empiété le terrain? Bon. Vous qui êtes chez vous, vous êtes censé connaître les limites. Merci beaucoup. Je voudrais vous expliquer, chef. Quand réservant ces espaces, j'ai prévu pour les feux de brousse, de peur qu'elle n'entre dans mes champs. Donc, à partir de là-bas, je vais nettoyer pour que le feu n'entre pas. Ok. Il n'a pas. Écoutons maintenant. Il n'a pas eu droit. Soit rendu. Oui. Maintenant, vous existez sur ce terrain il y a combien de temps? Plusieurs années. Beaucoup, plusieurs années. Nous sommes rendus à la troisième phase. Personne n'a occupé là-bas. Ça veut dire que c'est mon terrain depuis trop longtemps. Bon. Comme nous savons tous que c'est un domaine national, vous ne pouvez pas rejeter votre frère parce que pour un lopin de terrain, vous allez couper un gros régime de plantain, un gros coke, 10 litres de vin de palme. Oh, vous allez rencontrer votre frère. Il ne vous a pas vendu. Il vous a cédé juste pour vos cultures. Non, là, nous sommes d'accord. Très bien. J'accepte ce problème parce que nous sommes en famille. Je préfère, pour exprimer votre content au su et au vu de tout le monde, une accolade. Voisin, il faut évoluer avec le travail. Voilà. Merci. Je vous remercie également. Merci. En toute quiétude, okay. Vous exercez. Oui. Voilà. Bon, bon. Merci. Merci. C'est bon? Vous avez gagné le procès. Non, encore le cas. Il va venir rapidement. C'est bien? Oui. Les deux parties sont tombées d'accord.
rien que pour la culture. Cacao. Du cacao. Pas de cacao. Donc ça, c'était, ça concernait ces deux cases-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas matérialisé. Ce n'est pas matérialisé. Ça veut dire que ce n'est pas votre terrain, madame. Oui. Non, mais moi, je suis là. Je suis là tout à côté de vous. Non, non. Vous allez occuper comment? Comment vous pouvez arriver à occuper? Comment vous pouvez arriver à occuper? Votre champ, c'est là. C'est la lettre E. Bon, moi, je demande pourquoi vous n'occupez pas ici, vous allez chercher. C'est moi le problème, je le vois. Voilà un terrain vide ici. Je suis le garant, madame. Je suis le garant. C'est moi, je contrôle. C'est moi, je contrôle ici. On s'entend, mais on s'entend un peu. Est-ce que ça, c'est une occupation illicite? Ça, c'est une occupation illicite. Ici, madame, déménagez d'abord, on va voir ça après. Déménagez d'abord, faites déménager, occupez d'abord ce terrain pour voir après. Ça, c'est même une zone verte. On a déjà commencé les travaux. On va suspendre. Arrêtez les travaux. Arrêtez les travaux, occupez d'abord votre terrain. Voici, vous avez même du terrain ici, vous avez du terrain.